Toria Arimiti. No stop. Nawe, nawe eori. Narato.Qu'est-ce que tu retiens de Jeannine? Elle a beaucoup de savoir par rapport à la culture polynésienne et on est fiers d'avoir reçu un peu de sa connaissance et puis d'être là ce soir. Voilà. C'est une dame qui est très gentille, qui nous a bien appris les danses et ça nous a permis de voir un peu ce que c'était la Polynésie et les anciennes danses de Polynésie. Elle est toujours exigeante.
ce qu'elle fait, elle est exigeante, mais bien. Ben, moi, je la vois plutôt comme quelqu'un ben, qui a la mémoire, c'est une référence. Quand j'entends son nom, ben, oui, je vois tout de suite la personne qui connaît des chorégraphies qui datent de longtemps, qui a plein d'indications sur des petits détails, qui sont des détails, mais qui sont importants quand même, sur les façons de faire et tout. Elle est partie avec les premiers pas de la danse, comme aujourd'hui on fait le patrimoine. Et elle est restée dans ce contexte-là, toujours avec le patrimoine et les anciens pas de danse. Nous tous, de toute façon, on remercie Jeanine de nous avoir transmis ça. Ben c'est des valeurs sûres quoi, pour nous. Merci à Jeanine et aux nombreux artistes qui se sont mobilisés pour préparer ce magnifique spectacle. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain soir à 20h pour découvrir les groupes de chant et danse Atehi et Fari'ihi no Huahine. Merci de nous rester fidèles en regardant Télépolynésie, la chaîne qui vous offre les meilleurs moments du Heiwa Tahiti 2010. Bonne soirée, place au coup de cœur. Avec Eau Royale. Eau Royale, source d'émotion.